Je pense que c'est une très très bonne solution puisque nos enfants vont pouvoir se mesurer dans la même catégorie d'âge avec des clubs bien évidemment prestigieux tels que oui, le MUC, le FC Nantes, le SCO d'Angers, le Stade Lavallois, qui sont eux des clubs formateurs. Il ne faut pas oublier que les Géoescoulènes, nous sommes aussi clubs formateurs, à un degré un petit peu plus modéré, bien évidemment, avec nos moyens, mais ce qui n'empêche pas de faire du bon travail. En ce qui concerne ce championnat, ben ce championnat, qu'est-ce que j'en attends? Ben de prendre du plaisir, deux, de prendre de la confiance, hein, et puis le résultat en soi, j'y apporte pas beaucoup d'importance. Ce qui va m'intéresser le plus, c'est le contenu. Et puis encore, une fois, prendre de l'expérience par rapport à ces clubs-là, puisque nos enfants, ça leur permettront de pouvoir ensuite évoluer dans les championnats que je dirais un peu plus costauds. Alors on avait bien démarré, et puis on s'est fait un peu peur par faute d'inattention derrière. Bon, il y avait une belle équipe du MUC 72 avec quelques renforts de CFA, mais bon, globalement, je suis satisfait. On a gagné 5-3. Pour la confiance, c'est toujours important. Après le match de la Suze, on avait perdu un peu sévèrement 4-0, alors qu'on avait fait une très bonne première mi-temps. On n'avait pas réussi à marquer. Aujourd'hui, on marque des buts, on en prend aussi, mais bon. C'est de bon augure pour la suite.